Le début chaotique. Voilà, bonjour le stream, coucou. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce début de live est parti très très vite. C'était préparé et non préparé à la fois. C'est beau. Donc on est avec Elise Bounce. Bounce pour. Ça veut dire rebondir Benz. Pour ceux qui sont pas anglophones. Benz. Non, Bounce. Enfin, Benz, mais sur Twitch, c'est Elise Bounce. Bounce. Vous mettez Bounce Hub sur Internet, vous allez avoir des super vidéos. Oh, si ça n'existe pas, je vais me créer un site qui s'appellera Bounce Hub. Voilà. Ce sera pas les couleurs de YouTube qu'il y aura. I am ready, donc on est sur Wii Warrior, j'ai jamais joué, voilà, c'est gratuit, donc c'est sympa. Voilà, allez, let's go, on est parti. Allez, let's go, tu veux être libraire ou explorateur? Je sais pas la différence, donc on s'en fout. Allez, tu seras explorateur, ça me fait plaisir. Tu préfères être libraire? Ok, d'accord. Non, je suis pas d'avis. Play from start, faut peut-être que j'appuie, ouais. Non. Donc là, c'est sa 14e partie à Benz, donc il connaît le jeu par cœur, basiquement. Apparemment, ça va durer 30 minutes. Let's go. Apparemment, je suis un gros mytho aussi. On n'entend plus Benz. Ah, mais c'est normal! Oh. Alors, en fait, je peux plus lui parler. Oh, le bruit JPEG. Oh, JPEG, comment ça? MP3 VLC derrière là. Fuck. Nous sommes des PNJ! Acha, 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 acha. Je suis menaçant, Jean-Michel au bruitage. Merde. Oh non, c'est vraiment le QWERTY quoi. Au secours! T'es où? Réponds-moi! CV, la touche! Allô? Ah putain! Oh! Faut rester appuyé sur l'interphone! Je suis. On m'a emmené dans une salle, j'ai mal au cul, je comprends pas! Quoi? Oh, j'ai mal aux fesses! Je boite! Je suis dans une pièce, voilà, fermée. Et il y a des bruits chelous. Où est-il? Des bruits chelous. Est-ce que je peux pas lui remettre son? Ouh, il y a des petites, il y a des petites pierres sur les murs avec des runes. Mets-toi sur Discord, ce sera plus simple. Ah bon? Donc on aura l'interphone constamment branché. Voice chat, mais je comprends pas parce que voice chat, pourtant il est à zéro. Le son est un peu fort, non, sur les interphones. Moi, je l'entends pas du tout. Enfin, t'es tout pété pour moi. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que le son, il est à zéro. Bah oui, c'est normal. Faut pas que tu mettes votre chat volume à zéro, sinon tu m'entends pas. Bah oui, mais le... Oui, effectivement, oui. Il me semble qu'il y a une sorte de logique là-dedans, mais... Bon, très bien. Donc moi, je suis enfermé dans une pièce où j'ai tout un tas de livres... Et une bande de films et une carte. Et je crois qu'il va falloir que je te guide. Eh bien moi, j'ai juste plein de placards, tout est renversé. Mais il y a des pierres qui sont retournées contre le mur, et enfin des briques. Et sur ces briques sont carvées des runes. Carvées, oui, tout à fait, carvées. Carvées, ouais. Carver des runes. Oui, il y a des runes qui sont inscrites dessus. Ah, elles ressemblent à quoi tes runes? Alors j'en ai une. C'est
C'est un... c'est un bon fessier avec un bâton dedans. Oui, c'est ça. Je sentais que tu n'osais pas le dire. Mais... c'est celui-là, ouais. Ok, ouais, j'ai un truc dans ce goût-là. Alors, j'ai un tic anglais, ou alors une courbe montante puis descendante. Enfin, une droite, une courbe droite. Ouais, d'accord, ouais. Ok, j'ai un M viking. Ok. J'ai un M en capital. Ouais. Ou un M viking, ok. Ou alors, si on le regarde autrement, c'est un sablier de côté. Je vois, ouais. Ok, ouais, ouais. J'ai un M tout court, j'ai un N... Un N, voilà, c'est un N minuscule. J'ai un A avec un T au milieu. Ouais. J'ai un cercle avec un X dessus en majuscule, voilà. Et okay. J'ai un autre cercle avec un X, mais qui est plus gros, avec une barre qui passe au milieu. Ouais, 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 d'accord. Avec une ligne... Je vois pas le N minuscule, bah ça doit être celui-là, c'est le seul que tu m'as pas donné, donc ça doit oui, être c'est celui-là. Ça, c'est un petit N. Ouais, c'est avec... genre un bâton qui va vers le haut, puis une petite courbe qui descend délicatement vers oui, la droite. C'est ça, c'est ça. D'accord, et ben alors j'ai un truc avec des yeux, moi, qui correspond à ton... à tes runes, là. Ils sont positionnés d'une certaine manière, genre, est-ce qu'ils sont par paire? Non, il y en a qu'un qui est par paire, c'est celui avec le tic anglais, là, la droite, la courbe. La courbe, et... entente, descendante. Ok, et t'as genre le X rond à côté? Avec le gros X, oui. Ah, pas ah bah, le petit X. Le petit X aussi, il est à côté de la courbe, mais... En fait, attends. J'ai deux briques, ouais. Avec la droite montante descendante, qui sont à l'opposé. Il y en a une toute à gauche du mur et une toute à droite du mur. D'accord. Et chacune d'elles a à proximité un cercle avec un X. Mais qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un, c'est le petit X avec la barre au milieu, et l'autre, c'est le X tout seul. Ok, je pense que je vois une logique. Donc le premier, c'est le tic anglais. C'est genre juste ça descend, ça remonte grave et ça redescend un petit oui, peu. Oui, oui. Ok. Tu peux cliquer dessus? J'essaye, mais moi, quand je les regarde, ça me fait juste un cercle. Et c'est et quand tu... et ah, quand mais tu attends, cliques... interact. Voilà, c'est bon. Ok. Donc tu as pu cocher le tic anglais, là? Ouais. Maintenant, faut que tu coches le rond X sans la barre au milieu. Je pense. Ça a tout éteint. Là, d'accord, les russes. C'est pas ça. Est-ce que t'as des yeux à un endroit sur le. Alors, des yeux. Oui, oui, sur les piliers à gauche et à droite du mur. Où y a... Et t'as quoi comme œil à gauche et à droite? Ils ont des couleurs? Un œil violet avec au milieu. Enfin. Un œil au contour violet avec au milieu une pierre bleue. D'accord. Et à droite? Pareil. D'accord. Attends, mais il y a un interphone là que je fais. Oh! Donc en fait, je pouvais déjà utiliser l'interphone avant d'avoir ramassé l'interphone. Ok. Oui, ah bah c'est peut-être pour ça que je t'entendais pas aussi, parce que moi je pouvais pas. Parce que là, ça marche là. Là, c'est possible. Ah oui, là je t'entends, ouais. Tu m'entendais tout à l'heure du coup, ça veut dire? Bah ouais, je t'entendais bien, ouais. Là, tu m'entends bien en double là? Ah bah du coup oui, je t'entends là. C'est chiant parce que pour sortir des livres, je suis obligé d'appuyer sur échappe, mais ça fait sauter mon personnage. Je regarde un peu mon environnement, si j'ai pas un autre truc qui pourrait t'aider. Pire, parce je vais, que je vais pour l'instant, ça sent la couille, ça, les livres là. Toi, t'as que tes briques. T'as quoi d'autre dans ta pièce? Attends, j'ai... Ah, attends. J'ai une inscription sur le mur. J'ai... The answer lies. Voilà. The answer lies. La réponse repose. Ou la réponse ment. Oh. Non, bien vu. Mais ça serait is lying, donc c'est pas ça. Donc effectivement, c'est repose. Effectivement. Et juste en dessous de ce truc-là, il y a une... Bah, une chandelle avec trois bougies dessus. D'accord. Tes deux yeux sont bleus? Oui. Alors appuie sur le AT et sur le bon fessier avec un bâton. C'est bon, ça marche. Ah yes, j'ai trouvé, ok. En fait moi j'avais une, je sais pas si je t'ai pas expliqué, mais moi j'avais un grand poster avec du coup tous tes symboles par paire qui était entre des yeux, sauf que j'avais des combinaisons d'yeux bleus
bleu bleu ou rouge vert ou bleu vert ou vert bleu, enfin tu vois. Et du coup je t'ai donné la combinaison bleu bleu. Ah puis ça m'a ouvert une porte. Oui, je suis dans l'autre salle moi déjà là. Ok. Ouh là, il y a plein de peintures avec des animaux. Il y a une horloge. Et il y a une voix qui fait achat, achat, achat. J'ai bon. Mon temps est compté. Ok, ton temps est compté. Alors est-ce que t'as des peintures avec des animaux par hasard? Oui. Alors c'est un. Oh, il y a trop de bruit chelou, ça fait peur. Et c'est... t'as des runes avec. Oh putain, attends. J'ai un. C'est un sort de canard avec une coquille d'escargot sur le dos. Est-ce qu'il a. Alors attends, un canard. J'ai des runes sur le mur, oui, à côté. Ah, non. Un canard. Ah oui, il y a un canard à double tête. Enfin, il a un bec de chaque côté. Alors, il y a une seule tête avec un bec jaune, des longues pattes. Du coup, bah, des longues pattes comme un flamand, sauf que ses pattes sont palmées. Elles sont écartées un petit peu. Oui, elles sont un peu écartées et sa queue est hérissée de plumes. Okay. Il est tout blanc, il a un grand corps blanc avec une coquille sur le dos. Ouais, je pense que je l'ai. Du coup, tu dois avoir des runes quelque part, non? Oui, juste à côté, il y a un grand tableau avec des runes. Donc normalement, t'as une maison tiki ou un masque bizarre. Ah oui, c'est plutôt un héros, effectivement. Alors, une maison Tipeee avec un masque bizarre. Ou ça serait peut-être aussi un bateau, par exemple. Avec un cercle sur la tête. Eh ben, genre absolument pas. Ah, ok. Ah, si, la maison Tipeee, c'est en rectangle, enfin en trapèze. En ouais, Tiki, pas Tipeee, c'est genre, ouais, c'est genre carré, et puis t'as deux fenêtres en haut, une porte en bas, et puis des cheveux sur les côtés. On va dire c'est une tête, hein. Ça marche mieux. On va dire c'est une tête, ok, la tête carrée. Et du coup, normalement, t'as aussi soit... Une coupe avec des couilles et des jambes, soit un bonhomme, soit un bonhomme qui se tient la tête. Une coupe avec des couilles et des jambes, ça, je comprends rien. Est-ce que t'as un bonhomme qui se tient la tête? Une tête marmite. Une tête marmite, oui. Ok, ouais, c'est ça. Et normalement, t'as un silo avec un drapeau. Un silo avec un drapeau. Une tub avec un T dedans. Ouais. Ah putain. Une tub avec un T dedans. Avec un T dedans. Ou un silo avec un drapeau. Hein, ça. Je comprends pas ton silo avec un drapeau. Bah c'est genre, t'as un rectangle. On dirait pas un gars en mode tortue. Non. Non. Je l'ai le gars. Ah ok, je l'ai. Le drapeau il est tout petit en haut, genre. Ok, d'accord, c'est bon, je l'ai. Ok. Alors, je sais pas ce que tu dois faire avec, mais je pense que ça. Je pense que c'est la solution. Alors, moi, quand je les ramasse, ouais. En gros, je peux les déplacer. Attends. Je peux les changer de. Mais non, en fait. Attends, je peux les décoller un peu en mode magnète. Ouais. Du mur. Et t'as un endroit où tu peux les mettre? L'horloge s'est vachement accéléré. Je peux pas crever ici. Je peux les décoller du mur, mais c'est joli ce feu là. Non, je sais pas où je peux les foutre. Pourtant, il faudrait trouver parce que je pense que t'as un truc à faire avec la maison Tiki, avec le visage, avec le bonhomme marmite et avec le silo. Ah putain, mais je les ai pas vus, c'est juste en dessous du tableau, ok. Ok, bon. Donc faut que tu les mettes dans l'ordre visage. Oui, dans l'ordre. Silo. Ah ça marche? Attends, il faut que je me dépêche. Mais non! Je l'ai fait tomber! Le mec de la panique qui tremble. Le pire, c'est qu'il se téléporte en fait. Ah ouais, quand tu les lâches, il retourne sur le tableau. Oui. Ah merde. C'est bon. Ouf. Chouette, ah, j'ai entendu une porte. Oui, ah une autre porte. Attends, j'aurais pas dû rentrer aussi vite. Alors, des caisses, il y a un tuyau. Et j'ai un étage en dessous. Et à l'étage en dessous, il y a marqué orange en violet. Au-dessus de la porte. Orange en violet. Ok, moi ça m'a ouvert un couloir avec plein de statues. Je marche dedans, il y a des chemins partout. Ok. Ah, moi va falloir que je t'ouvre des. Va falloir que je t'ouvre des vannes. Et du coup, l'eau ouais, va monter. Ouais, il y a de l'eau qui bloque la porte. Donc, orange. Orange en violet, ouais. Comment ça marche? C'est écrit orange et les lettres sont de couleur. La police est de couleur violette. Les caractères sont violets.
Alors, moi, j'ai des roues. Ok. L'eau est descendue. Oh, ok, d'accord. Bon, bah voilà. Facile. Violet, en fait. Moi, j'ai des valves. J'avais des valves bleu, rouge et jaune. C'était moins compliqué que... Ah bah c'est clair. J'ai marché sur une plateforme. Attends, c'est pour toi, je pense. Ah. J'ai marché sur une plateforme. D'accord. Ah non, je peux ouvrir la porte. Je suis trop con, en fait. J'étais en mode, je suis dans un couloir, je suis bloqué. Ok, c'est bon, je suis rentré. J'abaisse un levier, ça ouvre une porte, mais ça enferme une autre. D'accord, moi j'ai un levier aussi. Est-ce que ça t'a ouvert quelque chose? Est-ce que ça a fait quelque chose? Alors, attends, parce que en fait j'ai deux portes de château, quoi. Ils montent, tu sais, en métal. Ouais, et ok, ouais. Là j'en ai ouvert une, j'avance et en fait je suis bloqué par l'autre parce qu'elle est descendue. Et en face de moi il y a un mur avec du sang dessus. C'est marqué Bring down the guiding light. Ah, ok, t'es dans un labyrinthe, je pense. The guiding light. Quand t'es rentré, la porte d'avant toi est ouverte, mais celle derrière toi est fermée. Alors non, en fait, j'avais un couloir. J'ai ouvert la porte au bout de ce couloir. Je suis descendu des escaliers. Face à cet escalier, il y avait une grille fermée. Il y a un levier. J'ai baissé le levier, ça a ouvert la première grille et la deuxième grille s'est refermée. Donc là, j'ai avancé de 4 mètres et la grille est fermée. Et en face de moi, il y a un mur derrière la grille. T'es dans un labyrinthe et moi, j'ai la carte sous les yeux, donc je vais pouvoir te guider. En fait, la guiding light, c'est moi qui viens de la mettre, je pense, avec le levier que j'ai abaissé. Ah, mais attends, là, je peux... Et du coup, t'as des grilles bleues, des grilles vertes et des grilles rouges et t'as des leviers qui vont ouvrir et fermer chacune. Alors, c'est bon, j'ai passé la deuxième grille. Laquelle? Quelle couleur? Ah non, attends, y a pas encore de couleur. Ah si, y a un truc, c'était un diamant blanc dessus. Ok, ouais, donc ça, tout va bien. T'es là, ok. Ok, donc là, bring down the guiding light, à droite, à gauche. Faut que t'ailles à droite, je pense. Et va au bout du couloir, là, et tu me dis si la grille est ouverte. Alors la grille est ouverte. Il y a un chien avec un chandelier sur la tête. Tableau. Ça moi, ça m'avance pas beaucoup. Et il a une grosse gorge. Voilà. Alors, il va falloir que tu fasses ce que je te dis. Tu reviens en arrière. Ok, je reviens. Ah, attends. Enfin, si, vas-y, reviens en arrière. Et t'as une salle, normalement. Quelque part, tu dois avoir une salle. Alors, je suis revenu en arrière. En fait, j'ai une intersection. Entre là où tu m'as envoyé et le départ, il y a une intersection. Je vais par là. Donc tu vas par là et normalement, tu vas arriver. Il y a un levier bleu quelque part dans cette pièce. Ouais, je le vois. Donc tu l'actives. C'est bon. Ensuite, tu reviens dans le couloir et tu vas à gauche. Ouais. Tu arrives dans une pièce où il y a des barils et tout ça. Tu vas à droite et tu vas avoir une porte bleue qui sera ouverte. Alors attends, je suis revenu au début de l'intersection là. Ouais, donc tu vas à gauche, là où t'es pas allé encore. Et tout au bout de ce couloir, jusque là où tu peux aller normalement, t'as une porte bleue qui sera ouverte. C'est peut-être ça. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas, t'as normalement une porte qui est ouverte. Là je suis tout au fond en prenant à gauche depuis le début. T'as une porte rouge à côté de toi? Ou une porte verte? Là, j'ai que des grilles ouvertes. Ouais, normalement c'est normal. Y a un moment où t'as dû passer dans une pièce où il y avait des caisses et où il y a un levier vert, normalement à côté des caisses. Alors le levier vert. Il y en a pas. Attends, ouais, en fait, est-ce que tu vois où je suis? Non, je vois pas où t'es, je vois que la carte générale. Tu vois le début? Oui. Alors je suis allé tout à gauche. Ouais, et du coup t'es arrivé dans une première pièce. Je suis arrivé dans une pièce et il n'y a pas d'autre intersection. L'intersection était avant. En fait, reviens au début. Reviens tout au début. Je reviens au début. Ouais, on va le refaire du début. Là je suis devant l'inscription. Là. Alors attends, j'arrive. L'inscription c'est pas genre une rose... Non, c'est Bring down the guiding light. Et okay. C'est une phrase. Donc toi t'es au début... mets-toi comme si tu venais d'arriver. Ok, je viens d'arriver. Là, tu vas à gauche, tu vas arriver dans une petite pièce. C'est ça? Alors, je suis allé à gauche, en fait. En allant à gauche, il y a un escalier.
Une fois que j'arrive dans notre... j'avance et en fait, j'arrive à une intersection. Alors, à ma droite, il y a un couloir et à ma gauche, il y a une salle, en fait. Enfin, une salle répartie... Enfin bref, il y a une salle, quoi. Bon, va dans la salle. Normalement, après, ça tourne à droite dans la salle. Alors, dans la salle, non, ça tourne pas à droite. Ça tourne à droite sur l'intersection, en fait. Donc, je prends l'intersection, en fait, tout simplement. Ok. Alors, j'avance... Tu t'avances et à un moment, tu vas passer une porte bleue qui sera ouverte, normalement. Il n'y a pas de porte. À aucun moment ? Là, je suis au bout de l'intersection, il y a un tableau. À ma droite, il y a une porte déjà soulevée, il n'y a pas de diamant bleu. Et il y a un diamant vert ou pas ? Non, il n'y a pas de diamant du tout. Enfin, ou alors c'est éteint. Je vois pas très bien. Est-ce que j'ai une lampe ? Non, j'ai pas de lampe. Donc là, je peux pas voir si c'est... Ah si, la porte bleue, je la vois. Ok, donc la porte bleue, normalement, tu l'as passée. Ouais. Et tu arrives dans une pièce. Dans cette pièce-là, il y a un levier vert. Je cherche le levier vert. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok, donc là, ça a fermé la porte qui était dans la suite du couloir. J'ai baissé le levier vert, là. Hein. Ouais, et la porte s'est fermée, du coup. La bleue ? Non, la verte. Je la vois pas, la porte verte. Bah, la suite du couloir, elle est fermée, du coup, normalement, si t'as baissé le levier. Ah oui, oui, oui. Ok, donc là, tu reviens sur tes pas et tu vas réactiver le levier bleu. Oh, putain. T'inquiète pas, tout ça est logique. On n'entend pas fort, Benz. Ah bon ? Ah merde, ah. Bah, oui, c'est parce que c'est le son du jeu. Enfin, l'audio. Ok, je le monte. C'est pas toi, hein. Laisse ton micro comme il est. Ouais, ouais, non, mais moi, il est déjà à la limite de saturé tellement il est fort sur mon stream, donc. Oh, il est si fort. Il faudrait que je refasse mon mixage comme il faut parce qu'il sature effectivement. Le levier bleu. C'est où ? C'est là. Là, c'est good. Ah ouais, c'est good. J'ai abaissé, enfin remonté le levier bleu. Ok, donc en ressortant de la pièce, tu prends à droite. Ok. Tu repasses la porte bleue. Ah, bah. Tu passes la première porte bleue, pas celle dont tu arrives là, celle où t'étais au début. Ah, il y a un truc au bout. Ah. J'y vais pas. Mais je me souviens pas qu'il y ait de monstres dans ce jeu, donc normalement t'es tranquille. Hein. Ah bah... Je l'ai vu courir là au fond du couloir là. C'est... Ok, bah, j'ai passé la porte bleue, je suis monté un escalier. Je suis dans une salle. Donc normalement là tu vas à droite, t'as une porte verte et ça va te donner sur une pièce où il y a une porte, un levier rouge. Attends, je reviens, je vais engueuler mon chat. Le levier rouge, c'est bon. T'as trouvé le... Je la baisse ? Le levier rouge, oui. C'est bon ? Alors attends, parce que moi, la guiding light s'est éteinte. Pac ! Hop. Alors. Donc ça, c'est ouvert, ça, c'est fermé. Donc là, il faut que tu reviennes par la porte bleue. Oh putain. Tu réactives le levier bleu. Oh putain, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, mais c'est un bazar. Hein. Je vais me faire bouffer, je le sens. Mais non, tranquille. Pourquoi il y a un truc qui courait dans le couloir, c'est tranquille. C'est pas normal. Parce que t'es le libraire, toi, t'es pas l'explorateur. Je peux pas sprinter. Oh, les bouquins, c'est mon truc. Une fois que t'as activé le levier bleu... Ouais, c'est bon. Tu reprends la deuxième porte bleue, donc tu revas dans le couloir, tout au bout, machin, là où t'avais trouvé le levier vert. Ah, putain. À gauche, ouais. Je préférais le truc avec les canalisations et l'eau à descendre, là. Hein. C'était plus rapide. Du coup, faut que tu réactives le levier vert pour ouvrir la porte. Il était où, ce putain ? Il est là. Et normalement, là, tu vas pouvoir sortir à gauche. Et c'est la sortie. La sortie à gauche. Au levier vert, normalement, ça t'a ouvert la porte verte qui était devant et ça te permet de sortir à gauche. Bon, la porte était pas vraiment devant moi, mais c'est pas grave, je l'ai trouvé. Ouais, bien joué. J'arrive dans une salle où il fait froid, il neige. D'accord. Ah, je suis gelé. D'accord, donc il va falloir être malin.
Alors, je suppose que là, ça va être timé encore. Hein. Tu vas... Vite ! T'as quoi dans, dans cette salle ? Une salle d'échecs. Enfin, la salle, c'est un grand plateau d'échecs. Un grand plateau d'échecs. Alors, je fais le tour. Pas grand-chose. Il y a un genre de générateur dans un mur. D'accord. Je peux le... Ah. Bah vas-y. Je peux... Il y a une sorte de vignette avec des graduations. Il y a une grosse barre rouge et un tout petit truc vert. Je suppose qu'il faut aller dans le vert. Est-ce que ça a à voir avec ça par hasard? Oui, c'est bon, laisse. Non, reviens à ce que tu faisais justement. J'ai rien fait. Ah. Ça fait des trucs là? Oui, là, il y a la graduation bouge. Stop! Stop! Mais non, mais c'est que c'est, ça n'est pas de mon dû, ça n'est pas de mon fait. Bon, c'est moi alors. Je me demande si ça a pas un rapport. Oui, c'est moi. Je me demande si ça. Ouais, c'est bon, c'est moi qui devais relancer le générateur. Ok, donc là il est relancé? Oui. Ah, je me gèle! Alors attends, je me demande si j'ai ça a pas. Il est marqué quoi là-dessus? World Greatest Chess Moves, ok. Je pense que j'ai trouvé. Faut que je bouge là, je suis en train de crever! Comment je lance ça moi? C'est pas très. Ah clair. Putain! Ah. Ok. Allez là, okay. Le chauffage! Tu me dis que t'avais t'as un truc d'échec? Oui! Je peux bouger les échecs maintenant, hein, c'est bon. Ouais, mais ça ne réagit pas. Alors déjà, c'est très chiant à viser, je sais pas où faut que je vise pour le viser. Réchauffe-toi là, putain! Qu'est-ce que c'est que cette hitbox à la con là? Vite! Bah t'es gentil toi! Ok, c'est bon. Moi j'ai un projecteur en fait avec les Greatest Chess Move. À mon avis, il faudra que je te donne un move d'échec, sauf que ça s'allume pas. Est-ce que par hasard ton générateur il serait pas éteint? Si, je l'ai allumé. Hey. J'ai déjà fait un move d'échec! Ah, c'est bon, j'ai trouvé, ok. Alors attends. Ok, j'ai le plateau. Donc il avance le pion de la dame de 2. Oui, c'est moi ça. Et donc avance le pion de la dame de 2. Je l'ai déjà fait, c'était moi. Ok, après tu mets le fou à côté. Attends, le pion de la dame. Oui, le pion. Blanc le ou noir pion. Blanc. Oh putain. Non, ça doit être le pion du roi, parce que vu comme bouge l'autre là, ça doit être la dame. Alors attends. Là, c'est le tour des noirs en fait. J'ai déjà avancé le blanc. Je sais pas faut comment que tu fasses les noirs aussi. Bah oui, apparemment. Ok. Donc c'est le pion du roi qu'il faut que tu avances de 2. Ok, vas-y, c'est bon. Après le pion du roi noir, tu l'avances de 2 aussi. Après le fou. Attends, mais je peux pas. C'est un tour par truc. Ah oui, mais normalement après c'est le une fois que t'as bougé les blancs, normalement c'est au noir de jouer. Et là j'ai avancé le pion noir de 2 devant le roi. Parfait. Après tu bouges le fou sur la case, le fou à côté du roi, sur la case à côté du pion blanc, là où tu peux le mettre. Et je peux pas bouger les noirs tant que j'ai pas bougé les blancs là, non, en fait. Le fou blanc. Je peux pas le sortir le fou blanc. Normalement il y a un fou blanc que tu peux bouger vu que t'as bougé le pion de du roi. Ah mais j'ai bougé. Attends. Le pion qui est devant le roi, tu l'as bougé de 2. Donc normalement ça a ouvert le attends, passage à un attends, fou. Ça a reset. Alors, on commence par les blancs. Oh, je vois plus rien. Ok, bah tu vas mourir. Désolé mon pote, t'es mort. Non, attends. Avance le pion blanc du roi. De 2. De 2. Après le pion noir du roi, de 2. Après le fou blanc attends, qui est à côté attends, du roi. Le pion noir, ah, tu ne vois pas. Sélectionne mon pote. Il m'a fait sélectionner. Je suis en train de crever. Ouais, je peux pas bouger les noirs là. Et je peux bouger que les blancs. T'en es encore au blanc, non? Bah non, j'ai bougé le blanc et je peux bouger que les blancs. Et ok, y a pas un noir qui a bougé? Non. Bah dis-moi les blancs ce que je dois faire. Bon, mets le fou blanc à côté du pion blanc, sur la case où tu peux le mettre. À droite ou à gauche? À gauche. Ouf, j'ai mis à gauche. Ensuite, là, je peux il bouger faut que les tu noirs. Bouges. Ah, ensuite... Non. Là, tu peux jouer les noirs. Là. Le roi, c'est ça? Enfin, devant le roi, 2. Alors, c'est bizarre que tu puisses jouer les noirs maintenant.
Mais je sais, mais c'est comme ça. Oui, devant le roi 2, ouais. Ah, ça a tout reset. Bah ouais, mais c'est bizarre, normalement t'aurais dû le faire avance. Je pouvais pas. Ouais, c'est chelou. Bon bah du coup... Là je peux le faire, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, le fou blanc, hop. Alors d'abord le pion blanc, ensuite le pion noir, ensuite le fou. Putain, mais ça marche pas. C'est pas ce délire. Mais putain, sélectionne le noir. Mais bordel, ça marche pas. C'est chelou. Non, non, ça reset à chaque fois. Normalement, c'est pion blanc et pion noir en premier. Ok, c'est bon. Après, c'est fou blanc à côté du pion blanc, là, à gauche. Ça reset. Sur la case blanche, hein, pas sur la case noire. Tu sais comment bouger les fous? Oui, je sais jouer aux échecs, oui. Bon, parfait. Bah, ça a tout reset. Encore. Je te dis, alors je te dis, attends, je te dis dans l'ordre tout ce qu'il y a. Il y a le pion qui est devant le roi qui avance de 2. Le pion noir qui est devant le roi noir qui avance de 2. C'est très lent par rapport à moi. Après, t'as le fou blanc qui donc, bouge en diagonale jusqu'à côté du blanc. Ouais, sur la même ligne que le blanc. Bon, okay. Après, il y a le pion noir à côté de la tour à gauche, du même côté que le fou. Le pion noir qui est devant le cavalier à côté de la tour à gauche. Vas-y. Qui avance de 1. C'est la tour reset. Il est devant la tour, le pion noir. Non, il est devant le cavalier à côté de la tour. Ah putain! Non! Ah, t'es mort. Ouais, travaille. Allez, hop, c'est bon. C'est allez, bon. C'est reparti. Bon, on a le truc, ça va le faire. Je voyais rien, c'est horrible. Alors vas-y, générateur, attends, il me faut la bobine. Non, c'est bon, là, je le fais en 2 secondes, là, c'est bon, j'ai compris. Va devant les échecs, hein, t'as même pas besoin d'aller devant le générateur. Là. Mais moi je peux pas, je pense que je peux pas allumer les échecs si tu me mets pas le générateur. Ouais, je suis en train de le faire là. Moi j'arrive même pas à prendre la bobine alors que je me barre. C'est bon. Ok. Alors attends, je mets la bobine dans la machine. Alors le roi, il est là. Oh, la reine blanche, le roi blanc. Hop. Le pion du roi blanc. Le pion du roi noir. Le fou. Le fou. Après, c'est le pion du cavalier noir du même côté que le fou qui avance. C'est bon, continue. Après, il y a le roi blanc qui vient devant la case, devant le pion de la case du fou qui a bougé. Putain, il avance ou il va à droite? Il avance à droite, devant, juste devant le pion qui était censé être. Non. À droite. Alors, pourquoi je peux pas sélectionner les noirs? C'est bien. Tu me dis quand on est au pion noir. Mais pourquoi ça se stocke? Bah des fois ça bloque. Bah des fois en fait je peux plus jouer les noirs. C'est chelou ça. C'est pas le très fou, pratique. Le fou. Là. Après c'est le pion du cavalier noir du même côté que le fou qui... Voilà, le roi blanc. Le roi blanc. Tu me dis juste, il va à droite ou il va devant? 2 cases en diagonale à droite. Il peut pas aller en diagonale à droite. Ah non, c'est la reine, pardon, c'est la reine. 2 cases en diagonale à droite. Mais putain, je peux pas. Ah. La reine, 2 cases en diagonale à droite. Ok, c'est bon. Ok. Ensuite, c'est le cavalier noir qui fait un move à droite. Le cavalier noir, là où le pion il a avancé. Il va à droite. Non, putain. Il va à droite. C'est pas à droite. Mais comme bouge un cavalier, en L. Mais... Donc normalement, il vient devant le pion du fou. Alors, attends, je refais toute la démarche. Oh putain, je me suis foiré. Mais super putain relou, ce truc-là. Incroyable. Mais je peux pas jouer les noirs! C'est quoi ce délire? Ce serait de l'appropriation culturelle en même temps. Allez, c'est fait, allez, c'est dit, hop. Je vais crever, je crois pas. Alors, le pion noir devant le cavalier, la reine de 2 diagonales, le cavalier qui est derrière le pion qui a avancé. Voilà, il va devant le pion qui est devant le fou noir. D'accord. Okay. Et après, la dame, elle va tout droit jusqu'à ce qu'elle mange le pion. Et là, normalement, c'est coup de la brebis ou je sais plus quoi. Là. Voilà.
Eh bah putain, c'était dur. Ah, c'était pas gagné. Hein. Ok, on l'a fait. Moi, ça m'a pas ouvert de nouvelles portes. Adieu. Mais du coup, je pense que ça va jouer avec les livres. Ah, vous le voyez, ça, là. Oh putain, ça va être un bordel aussi. Oh là là. Alors, j'avance. C'est risqué de dire ça ici. Oui, je sais bien, Eva, que c'est risqué de dire ça ici. J'avance. Il y a un pupitre avec un livre ouvert et 5 dessins. Ok. Ouais, ok, ouais. Super. Et derrière, il y a un grand plateau similaire à... Ah, je suis mort. Ok. Il y a un grand plateau et en fait, si je marche dessus, il y a des pics qui sortent. D'accord, donc vaut mieux pas que tu marches dessus. Et probablement tu dois me débrancher. Alors, les trucs ou me guider. Est-ce que tu peux me... En fait, moi j'ai plein de livres avec des couvertures et au dos il y a marqué des chemins, j'ai l'impression. Alors, mon livre. Ouais, voilà. Il y a tout à gauche. Chaton, tu vas éteindre l'ordinateur. Tout à gauche, il y a une fleur. Ouais, avec des oreilles de chat. Oui. Ok. C'est une fleur, quoi. Ouais, d'accord. Il y a des oreilles de chat comme toutes les fleurs, quoi. À sa droite, il y a le drapeau sur la. Un bonhomme qui a des grandes jambes et qui a pas de tête. Non. À la droite de la fleur, il y a le silo avec la. Voilà, bon, dessiné. Ah putain, mais il y a plusieurs fleurs. Incroyable, ok. Oui, pardon. Alors, la fleur, elle a deux petits bras. Enfin, ils sont levés. Ils sont levés et elle a les oreilles de chat. Ok, elle a pas de corps, hein. C'est vraiment une fleur, quoi. Oui. Ok, je pense que j'ai le bon livre. Alors après ça, normalement, t'as donc le silo avec le thé, et après t'as une espèce de bonhomme qui se tient sur ses bras et qui a une queue qui se recroqueville et qui a une croix sur la tête. Oui, ensuite c'est un gars qui lève les bras avec des mains en losange. Ouais, des mains en losange, et après t'as un bateau pirate. Oui, c'est ça. Alors, je vais te lire la préface du livre. Oh putain. En commençant par l'est lointain. Après avoir bougé de deux pas vers le nord. Aller de deux pas vers l'ouest. En commençant par l'est lointain, donc ça doit être à droite. Deux pas vers... Non, ça marche pas. After moving two steps north. Donc après le, avoir le début bougé c'est de quoi deux pas... Le début c'est quoi exactement? Starting from the far east. Tu commences à l'est. Bah, je suis mort. On va tous les faire. Bah l'est c'est l'ouest. Bon, ok, super. Ok, bon bah c'est à l'envers. L'est c'est à droite et l'ouest c'est à gauche. Ouais, t'es peut-être à l'envers aussi, hein. Bah là, je suis allé à l'est, à gauche. Donc, bon. Ensuite, deux au nord. Attends, j'ai retourné mon livre. Non. Ensuite, tu vas deux pas vers le nord. Non, je suis mort à nouveau. Ça... Quoi? Je suis mort là où j'ai commencé. Je comprends plus rien. Deux pas... Bah du coup, si l'est est à gauche, le nord, il doit être... Bon, là, je suis retourné à tout à droite où j'étais mort tout à l'heure. Là, ça marche. Ok. Alors, un pas. Ok. Vers le nord. Tu commences loin à l'est, ensuite tu vas deux pas au nord, ensuite tu vas à deux pas vers l'ouest. Ouais. Ensuite tu vas vers deux pas vers le nord. Je suis mort. Move two steps towards the north, take a step east before. Oh putain, les salauds! Il fallait lire complètement! Heading forward once more. Ok, donc. Far est, tu vas deux pas au nord, deux pas à l'ouest. Mais putain. Un pas à l'est. Attends, parce qu'en fait, là, depuis tout à l'heure, j'essaye d'aller vers les angles à droite et à gauche, et j'arrête pas de crever. Parce que... Parce que tu marches sur deux plaques. Alors, là, je t'explique, je suis allé tout à gauche. Ouais. Là, ça a marché. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 5 cases de longueur et 5 cases de largeur. D'accord. Donc ouais, là, je suis allé tout à gauche, j'ai pris la première, ensuite j'ai avancé une fois. Ouais. Donc là, je suis sur la deuxième case tout à gauche. Encore une fois, la troisième case tout à gauche. Ok, c'est bon, je suis tué. Ensuite, tu vas à deux cases à droite. Je suis mort. Et two steps towards the west. Normalement, tu vas dans la direction là où t'as pas commencé de deux cases. Bah ouais, c'est ce que je fais, mais je meurs. Starting from the far east after moving two steps north. En fait, quand tu crèves trop de fois, ça change. Oh putain. Là, ça change les logos.
Non, ça change pas les logos, ça change juste le starting point et c'est aléatoire. C'est pas normal ça. Et en fait, quand je commence tout à droite, je peux pas faire deux pas au nord. Je peux faire qu'un seul pas au nord et le deuxième, je meurs. Alors attends, ça se trouve, il y a plusieurs livres identiques. Là, je suis sur la deuxième case tout à droite. Si j'avance, je meurs. La deuxième case à droite ? Oui. Je suis tout à droite sur la deuxième, en partant du bas. Donc c'est pas ça. Donc t'es à deuxième case à l'ouest. À l'est. Tout à droite. Oui, à l'est, oui, pardon. Là, t'es tout à droite ? Tout à droite. J'ai fait deux cases. Et je ok, oui, donc ça, c'est bon. Donc, en fait, le starting point, il est pas aléatoire. C'est juste qu'il faut que tu commences ici. donc, t'as pris deux pas au nord, là. Oui. Donc, t'es case 3, là. Oui. Ok, donc maintenant, tu non, vas... Non, à deux non, pas... non, 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 là, je suis case 2, tout à droite. Oui, okay. oui, du coup, t'es case 2. Du coup, tu vas à deux pas à gauche, à l'ouest. Ok, c'est bon. Ok, donc là, normalement, tu fais un pas vers l'est. Reviens sur tes pas, un pas. Ok. Tu fais deux pas vers le nord. Je suis mort. Là, je suis retourné au milieu, là. Je suis au milieu. T'es au milieu ? Tu commences au milieu, là ? Non, j'ai refait le chemin que tu m'avais dit. Ouais, okay. J'étais tout à droite, j'ai fait 1, 2, 3. Ensuite, j'ai fait 2 pas à gauche. Donc là, je suis en plein milieu du truc. Je suis au milieu du cube. Attends, je réfléchis. Hein. Là, non, t'es pas censé être au milieu. Là normalement, je suis sur la troisième case en partant du milieu. Ok. Normalement, t'es censé revenir d'un pas vers l'est. Ouais. Et ensuite... What the fuck ? C'est le chemin que j'ai pris tout à l'heure. Je pense pas qu'il faille que tu sois 3 cases au milieu. Je pense que tu dois être 2 cases au milieu. Alors, attends. Normalement, tu commences... Ouais. T'avances de 2 pas vers le nord. Et là, je t'explique, en fait, je commence tout à droite, je meurs. J'arrête pas, là. La première case tout à droite, elle me tue. Mais c'est fou, ça. Mais t'es sûr que les logos, ils changent pas sur le livre ? Bah, j'ai regardé, mais non. Ah, si. Oh, putain. Oh, en fait, c'est quasiment tous les mêmes logos. Oh, putain. Ok, bon, bah... Alors, vas-y. Quel coteau, dis-moi. Là, c'est une fleur sans tige. Elle est à même le sol. Il y a juste... Enfin, c'est une tête de chat, quoi, au sol. D'accord. Ensuite, il y a une... Et bah, une bite. Des grandes jambes avec un T. Oui, voilà. Non, bah, on va dire ce que c'est. Hein. C'est un A. C'est un A avec une petite barre en haut. Mais un beau A, tu sais, un A attaché, quoi. C'est un grand A majuscule tout beau. D'accord, ouais. À sa droite, il y a un mec sur ses deux bras. Mmh. Avec la... Dans la tête, il y a une barre médiane. Enfin, c'est pas une croix ? Non, c'est une barre au milieu. Une barre qui sépare sa tête en deux. Mais de manière horizontale. D'accord. Ah, il en restait un qui était caché là, évidemment. Et à droite de ce gars-là, il y a le mec avec... Enfin, il a des mains rondes, sa tête est ronde, et il a son corps, c'est une grande barre qui va jusqu'au sol, ses jambes vont vers le sol, ouais. Et ses bras vont vers le haut avec les mains circulaires. Et après, il y a un bateau. Et après, c'est une tête. C'est la tête de tout à l'heure, chelou, qui crie un peu... Enfin, les deux petites fenêtres et la grande porte, comme tu disais. D'accord, ok. Alors, ouais, moi j'en ai un, mais il a une croix sur la tête. Celui du milieu. Celui du milieu, c'est vraiment la barre... Au milieu de la tête, il y a une barre horizontale. Et pas verticale, en plus. Non. Bon, bah, je vais te donner celui-là quand même, hein, parce que c'est le seul que j'ai qui correspond... Ah, mais il y en a un là. Attends. Ok, je l'ai. J'ai le bon. C'est bon. Alors... Merci, Eva. Avant de commencer à l'est, tu dois faire un pas vers l'ouest. Donc tu commences deuxième case à l'est. Oh. Ok. Ok. Ouais, donc, c'est bon. Avance pas. Normalement, il faut que tu fasses deux pas vers le nord. Je suis mort. Tu dois commencer, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu montes sur la case, je pense. Ok, bon, donc, alors donc, attends. Évidemment, ça décale tout. Attends, parce que du coup, là, on est revenu sur l'autre schéma qu'on avait tout à l'heure.
Ok, bon. Du coup, tout à l'est. Là, je suis pas sur une case. Là, je suis tout à l'est. Ok, tu fais deux pas vers le nord. Ok. Un pas vers l'ouest. Non, deux pas vers l'ouest. Ouais. Un pas vers l'est. Ok, je reviens sur mes pas, quoi. Ouais. Deux pas vers le nord. Je suis mort. D'accord. Alors là, le schéma a à nouveau changé. Oui. Là, c'en est un autre. Est-ce qu'il finit par un tiki ? Non, il finit... Par un visage ? Oui, il finit par un visage. Et au milieu, c'est le gars avec la croix dans la tête. Ok, c'est bon, je pense que je l'ai. Il y a un T à droite du... Donc tu commences tout à l'ouest. Okay. Tu fais deux pas vers le nord. Ouais. Deux pas vers l'est. Ouais. Attends, je lis parce que j'ai pas envie de me faire baiser. Ok, donc tu fais deux pas vers le nord. Ouais, oh putain, je suis si proche. Un pas vers l'ouest. Ouais. Et maintenant tu peux aller droit vers la porte. Oh, me casse. Ça a ouvert une porte, ouais, ça a ouvert une porte. Scène incroyable, un... il était horrible celui-là aussi. Hein. Alors, attends. Là, du coup. Attends. C'est moi qui suis derrière la scène. Ah, ok. Ah, putain, va falloir. Moi, je fais tourner les scènes en fait. J'ai. D'accord. Scène 1. Alors, attends. Ah, oui, donc là, t'as allumé une lumière. Oui. Attends, moi, je peux monter sur la scène. Là, je peux monter sur la scène. Ah, ok. J'ai un tourne-disque, moi. Là, ça m'a allumé une lumière. Scène 1. Ok, donc il m'a dit, le truc m'a dit, il y avait un jour un château rempli de vie. Oh putain, d'accord. Un château rempli de vie. Mais je me souviens de ça, ok, oui, je me souviens de ça. Il faut que tu mettes une... Ah oui, c'est de la triche du coup. Il faut que tu arrives à mettre en scène un château et des gens. Bien au milieu de la scène. Comment je fais pour savoir les manivelles qui correspondent... Bah, essaye en une et je te dirai. Ah. Normalement, tu dois avoir des trucs écrits, je crois, mais je suis pas sûr. Oh, c'est horrible. Oh god. Oh, c'est horrible. Je pense qu'il va falloir que tu te dépêches, parce que ça, c'est un truc qui va vouloir me niquer la gueule. T'actives aucune manivelle, là, on est bien d'accord. Hein. Si, j'arrête pas depuis tout à l'heure. Bah, t'actives pas les bonnes. Non, tu dois avoir un truc pour lancer, normalement. Ok, j'ai abaissé le levier. Oh, c'est horrible. Y'a rien qui bouge. Ça fait quelque chose, là. Y'a un bruit, mais y'a rien qui bouge. Et c'était ce bruit, là, encore. C'est quoi, ce bordel? Je comprends pas. Normalement, t'as des leviers et tu dois avoir un bouton pour envoyer les scènes, non? Oh putain, il a bougé, le pantin. Oh putain. Tellement crevé. Bah, j'ai l'impression, parce que là il se passe pas grand chose, hein. 1, 2, 3 à gauche, j'en ai 2 à droite. Bon bah j'essaye. Faut que t'arrives. Bah oui, mais je demande que ça, que t'essayes des trucs. Je vais mourir. Le bouton rouge, je l'ai déjà activé tout à l'heure. Ok, là y a des trucs. Alors vas-y, bouge encore celui-là. Ouais. Mets-le encore un coup. Encore un coup. Ok, maintenant faut que t'arrives à faire sortir un château. Bah ouais, mais il est... J'ai sorti quoi, là? T'as sorti des gens. Il y a du peuple, là. Alors, c'est le premier... D'accord. Donc, est-ce que là, ça va sortir le château? Ah, celui-là, c'est celui que j'ai pas. Donc, ça doit être le dernier. Ah, je crois que je viens de comprendre, mais à mon avis, tu vas crever. Donc, le château... Ça dépend de toi. Là, tu vois un truc qui sort? Oui, le château, je pense. Ah, c'est une porte, mais je pense que c'est le château. Alors vas-y, encore. 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 Donc en fait, quand tu le fais 4 coups, ça met au milieu. Mais là, ça marche pas. Donc c'est que c'est pas ça, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Bah là, il me reste une couronne. Bah vas-y, essaye, mais je pense que c'est le roi, la couronne. Bah du coup, attends, t'as y a truc pas pour valider. Y a pas un truc pour valider. Ok, c'est bon. Bon, dis-moi c'est ce qu'il okay. faut pour la suite, que j'anticipe. «
Et il y avait aussi le roi et sa femme, la reine. Donc il faut que tu arrives à faire sortir la reine et le roi. Le roi, je le mets où? Au milieu, mets-les au milieu, à chaque un, fois. 1, 2, 3, 4. La reine, la reine. La reine, elle est... La reine, elle est tout devant là, donc ça doit être... Oh fuck. Encore un coup le roi. Attends, là je sors la reine ou pas? Non, là tu sors le peuple. Mais putain, je fais n'importe quoi. Là je le retire le peuple, c'est bon? Non, là, là le peuple il est bien au milieu, là il est content le peuple. Bon, attends, on va faire comme ça. Alors, oh, c'est beau, hein. Le roi. C'est ok, le roi, c'est bon. Ok, le roi, laisse-le là, je pense que c'est ok. Ok, la reine, ça doit être, du coup... C'est... Oh, putain. J'entends ouais. Le bruit. Oui, il avance. Attends, mais là, j'ai sorti... Je comprends rien. Je la vois, la reine. Ah, vas-y, sors-la. T'as pas un levier caché quelque part ou un truc? Ah, ça y est, elle sort, la reine. Bah là, elle re-rentre, mais elle était en train de sortir. Là... Vas-y, encore. Encore. Encore un coup. Je pense que c'est ok, mais il faut que tu rentres le peuple. Non ! Alors, attends. 1, 2, 3, 4. La reine est sortie, là, c'est bon ? La reine est sortie, mais la reine, il faut qu'elle soit là. C'est le peuple qui doit pas être là. Mais là, j'ai pas sorti le peuple, là. Mais si, le peuple, tu l'as sorti tout à l'heure. Il est en plein milieu du plateau, le peuple. Oh, putain. Mais la reine, elle est censée être là, tu viens de l'enlever. Mais je comprends pas. Faut que tu me mettes la reine et le roi et que tu m'enlèves le peuple. T'as pas risette. Oh putain. Risette, valide. Mais j'ai déjà validé. Là, j'ai retiré le peuple. Non, le peuple, il est en plein milieu, là. Tu me dis s'il sort, là. Là, il sort, là, c'est bien. Encore un peu, encore un coup. Voilà, très bien. Maintenant, la reine. Oh là, il est juste devant la scène, là il regarde la scène, le pantin. Là. Si ça c'est le peuple, ça c'est la reine. Mais putain, mais sors là! Il est bien attentif là, le pantin. Là. Il attend le. Il y a la reine là ou pas? Oui, mais elle est pas assez sortie encore. Ok, vas-y, essaye de valider pour voir. Je la recule ou pas là? Avance là encore un coup. Attends. Non, là elle va pas. Voilà. Encore un coup. Encore? Oui. Je peux pas. Ok, bon bah valide alors. Non, ça ok, pas. Alors rajoute le château. Le château... Là il est en train de re-rentrer le château, t'es pas dans le bon sens là. Mais putain, c'est trop mal foutu ça. Ok, le château sort. Alors c'est tout pété, c'est tout bugué. Vas-y, encore un coup. Ok, valide. Tout c'était content et tout allait bien. Donc là, je pense qu'il faut que tu me remettes tout. Le peuple, le roi, la reine. Le peuple, le roi, la reine et le château. Alors, le château... Vous pouvez faire ça très vite, ça m'arrangerait très, très bien. 4. Encore un coup. Encore deux coups même, ça marche pas bien. Encore un coup, voilà, parfait. Le roi, c'est bon? Encore un coup. Ok, la reine. Et le peuple. Et l'opium. Je sais pas pourquoi l'autre. Mais putain! Voilà. Ouais, en fait, quand tu le fais dans un sens, ça met, et quand tu le fais dans l'autre, ça met l'autre. Ah, c'est un peu relou. Ouais, d'accord. C'est bon ? Encore un coup. Ok, le peuple. C'est bon ? Encore deux coups, là. Encore un. Vas-y, valide. En vrai, celui-ci est quand même plus creepy que ceux qui ont... Ok, donc le roi il tue tout le monde, donc il faut que
Pardon, normalement tu dois avoir un roi meurtrier quelque part, il faut que tu trouves le moyen de me le mettre. C'est vrai que bah j'ai pas, je me souviens plus des autres. Oh putain. Je m'arrête là ou encore un? Encore un coup. Encore un coup, ouais. Enlève-moi l'autre roi. Oh putain, il faut que je retire tout. Oh. Attends. Bah faut que tu retires le roi en tout cas. Vas-y, essaye de valider là. Il faut pas que je mette le off 100? Ah si, faut que tu mettes le 100, ouais, je pense. Ok. Je vais peut-être mourir. Ouais, je suis mort. Il était trop près, le pantin. Je pouvais plus aller à la boîte à musique. Ah merde! Bon, bah, faut tout refaire. Oh non, sérieux! Oh. Attends, putain! C'est lequel, là? Oh, c'est le truc du début! Oh là là! C'est dans le froid? Non, je suis au pic. Ah putain, ok. Alors, c'est reparti. T'as quoi comme. La fleur, le mec avec la tête en croix. Enfin, avec la croix au milieu. Verticale. Ok, et le bateau pirate. Le bateau pirate tout à droite, ouais. Ok, donc tu commences à l'est. Tout à l'est, ok, c'est bon. Tu fais deux pas vers le nord. Ok. Deux pas vers l'ouest. Ouais. Ah, c'était pas loin, mais ça n'a pas suffi. Tu fais un pas à l'est. Mais tout à l'heure, je suis mort quand j'ai fait ça. Hein. Ouais, mais normalement, move two steps towards the north, take a step east before, heading forward once more. Ou alors, ah putain, ou alors c'est dans ce sens-là. Donc fais d'abord deux pas vers le nord. Je suis mort. Ouais, ah ouais. Bon, là c'est... La fleur, elle est sur... Attends. La fleur, elle est où? Elle est sur le sol? La fleur, elle est sur un arc. Un genre de... une courbe. Ok, elle a un corps, quoi. Ouais, le mec au milieu, il a une tête circulaire, mais plate. Ouais, et puis t'as un bateau pirate à droite. Oui. Avec le... J'en ai qu'un seul avec le chat entier. Alors, tu commences tout à l'ouest. D'accord. Okay, pourquoi est-ce que ça... Eh ben, le jeu est pété, donc il va falloir que je me débrouille comme ça. Très bien. Tu commences tout à l'ouest. Vas-y. Attends. Il faut que t'avances au nord à fond, sauf que tu marches pas sur la dernière case. C'est bon. Ensuite, tu vas à l'est. Ouais. Attends. Ouais, ok. Tu fais deux pas à l'est. Ouais. Un pas au sud. Un pas vers l'est. Ouais. Et maintenant, tu vas au nord. Non. Je mors. D'accord. Ça se passait bien. Hein. Pourtant, c'était tout bon. C'est le même. Donc, je vais prendre la même chose. Alors, attends, Max au nord, deux pas à l'est, un pas au sud. Ensuite à l'est. Ouais. Et là, quand je suis allé au nord, j'étais mort. Tu fais... T'as fait deux pas à l'est, hein. Oui. Attends. Après le sud, il faut faire deux pas à l'est? Non, attends. Parce que mon livre, il est pété, là, du coup... Une fois que t'as été une fois au sud, non, tu vas une fois... Non, si, tu vas jusqu'au mur. Ok, ben c'est bon alors. Et après, tu vas au nord, voilà. En fait, c'est ça, j'avais pas vu qu'il y avait marqué qu'il fallait que t'ailles jusqu'au mur. Ok, bon, la scène. Alors, est-ce que ça a changé Non, normalement, l'histoire, c'est la même. Oh, ok, alors, le roi... Non, c'est le peuple. Non, le peuple et le château. Le peuple, c'est tout à gauche. Alors, je prends ça. C'est quoi ton problème là? Oh, j'ai horreur des mécaniques qu'ils ont mis là pour déplacer les trucs. Tu me dis stop. C'est pas le bon là, c'est la reine. Oh putain. Il me faut le peuple et le château. Le peuple est tout à droite, la reine est tout à gauche. C'est encore un coup. Ok. Manque le château. C'est le château ou le roi, ça? Le château... Là, pour l'instant, c'est rien, mais ça a l'air d'être le roi. Ouais, c'est le roi, c'est pas bon. C'est bon? Oh non, encore. Vas-y, encore un coup. C'est bon. Vas-y, valide. There once was a...
Ensuite, je sors le peuple, hein, c'est ça? Je le dégage. Non, ensuite, tu sors le roi, la reine et le château. Attends, mais ils sont revenus là? Ils sont sortis? Oui, ils sont revenus. Ok, donc là, je fais ça. Tu roi, me dis, reine et château. Tu me dis ce qui sort là. Le roi. Hop, c'est bon, le roi. La reine. Non, ça marche pas avec la souris. Très bien comme ça. Ok, stop le château. Et maintenant la reine. Normalement la reine c'est ça. C'est bon. Hop, vas-y, tu peux valider. Là, il y a tout qui est parti. Ok. Là, voilà, maintenant faut que tu remettes roi, reine, château et peuple. Ça, c'est la reine, c'est bon. Encore un coup, le peuple. Ok. Le roi, et ce sera ok. Vas-y, valide. Coucou Jack Jag. Salut Jack Jag. Là ils sont tous rentrés ou non ils ont laissé? Non, ils sont encore faut là. Faut que tu vires le roi alors. Faut que tu vires le roi et que tu mettes le roi. C'est quoi le roi qui bouge là? Le roi, c'est bon. Vas-y, mets-moi le roi sanglant. Enfin le roi sanglant. C'est un personnage de loup-garou. Le roi sanglant. Le roi eunuque. Ensuite. Encore. Encore un coup. Voilà, maintenant tu mets le sang. Vas-y, active pour voir. Okay. Là, ils ont tout sorti à nouveau. Ouais, c'est bon. Tout est rentré, ok. Donc là, il faut qu'il y ait le roi, le château et le sang. Donc le sang, c'est ok. Il faut le roi... le roi sanglant? Ouais, le roi sanglant. Mais moi que le roi sanglant pour l'instant. Tu peux le mettre encore un coup? Non? Si, là je peux encore le pousser. Vas-y, pousse-le encore un coup pour voir. Ah non, là je peux plus. Alors ok, bah remets le sang. Essaye de valider. Non. Ok, donc mets le château alors. Le château c'est ça. Mais putain. Ok, c'est... ça devient chaud. Vas-y, essaye de valider. Non, ça marche que... pas. T'es sûr que le roi, tu peux pas l'avancer plus? Est-ce que le sang, t'as pas un autre bouton pour le sang? T'as que celui-là? Non. Alors, remets le sang, voilà, hop. Et essaye de décaler le... T'es sûr que le roi, tu peux pas l'avancer d'un coup? Le roi sanglant, non, là, je peux plus. Là, je le recule. Ouais. Il faut que tu le remettes normalement, il est pas centré. Remets-le, vas-y. Et là, tu peux pas le remettre un coup. Non, là, c'est à fond. Là. T'as rien d'autre, la reine, non, elle est morte. Le peuple, il est mort. Il y a plus que le roi. Nolwenn, le roi. T'es sûr que c'est pas le roi de base? Non. Ah, peut-être, ouais. Alors vas-y, mets-moi le roi de base, mais il faut pas qu'il soit au milieu, et du coup, il va falloir que tu remettes le château d'un cran en arrière aussi. Tu me dis stop. Stop. Et le château, un cran en arrière. Vas-y, valide. Ok, alors remets le château un cran en avant. Vas-y, valide. Non. Putain, le roi, tu peux plus l'avancer? Non. Tu peux enlever le château. Enlève le château. Ah, c'est bon, on se casse. Je peux pas sortir, la trappe elle est... Moi non plus. Ah si, c'est bon, faut interagir avec. Ah bon? Ah. Ah, ah. Ah. Ah.
Eh, attends, reste sur la plaque. Non, 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 c'est toi qui restes sur la plaque. On le joue à quoi? On le joue au pierre feuille ciseaux? Ah, comment on peut faire un pierre feuille ciseaux là? Eh bah, on dit. Non, moi je dis, on va sur Roll20, on envoie un lancer de dés. Eh, tu sais qu'on peut le faire sur Discord, le lancer de dés. Ah ouais? Vas-y. Je crois, hein. Il me semble qu'on peut le faire sur Discord. Alors ouais, attends. Vas-y, vas-y, on fait ça. Est-ce que ça marche si je fais slash R? Ah putain, je suis en QWERTY. Hop. Slash R. Ah. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Bon, bah vas-y sur Roll20 alors. Ah, j'y vais vite fait. Je te laisse faire, hein. Je te. La confiance, hein. Attention, hein. Ça va jouer sur un jet de dés, quoi. Tu dois me dire ton score et tu dois me dire le mien. Attention, avant de lancer le mien. Je ferai d'abord le mien. Vas-y, donc tu me dis d'abord le tien et ensuite tu lances le mien. Au pire, j'enverrai un screen. Ah ouais, ça va, je peux te faire confiance un peu, mais. Pas outre mesure, quoi. Alors, launch clip. Comment on fait déjà pour lancer les dés? Moi, je suis. Slash RD 20 ou 100, enfin, le dé que tu veux. Slash RD. Non. Slash R espace D100 ou D20. Ok. Ça fait combien? Oh bah attends, je te le dirai après. Non, dis-le moi maintenant. Attends, eh oh. Alors, j'ai fait 27, toi t'as fait 9. Ah, désolé mon pote. Fuck. Salut. Non. Oh mais je t'envoie une carte postale. Attends, ça fait quoi si tu lâches là? Je la retiens pour toi. Ouais, tu passes à travers. Bon bah ça m'a un peu... ça m'a sorti. Ne fais pas ça. Je vais chercher les secours. Ah, à moi la liberté. Non, le monstre il va me défoncer. C'est vrai que c'est toi qui as été confronté. On retrouve l'écho, ça y est. Y avait-il une autre solution? Est-ce qu'il y a une fin secrète au jeu? Ouais. Non, je crois pas. Pas celui-là, peut-être à We Were Here tout. De souvenir, il y a peut-être un moyen. Mais... Parce que We Were Here tout, il compte, je crois, les réussites aux énigmes. Et selon les réussites que t'as fait, tu peux partir à deux ou un truc comme ça. Ah bon, ça marche. Il me semble. Hein. Il y a une histoire comme ça, ou alors il y a des trucs cachés à trouver. Bon, okay. Bah voilà. Hein. Bien joué. Oui, c'est vrai, une petite heure. Effectivement, c'est sympa. C'est sympa. Sur Force of King, c'est à peu près pareil, chaque partie, une petite heure. Bien Force of King. Ah merde, mais putain, je l'ai mute sur Discord, c'est pour ça que je l'entends plus. Je prends le génie. Oh le génie. Je t'en mode, bah il parle plus, ça y est, ça l'a saoulé. Okay, le problème, c'est que Force of King, c'est payant. Enfin, faut que je l'achète. Quoi. Ouais, il fallait choper. Sur... Oui. Ça va, je l'ai. J'ai compris. Attends. Ah mais attends, j'ai mis l'attente et du coup ils ont tous les réseaux. Ah. Bah ouais mais je vais pas mettre une image sans rien, je vais baisser le son. Non mais tu baisses la musique. Oui, j'ai baissé la musique, c'est bon. Non mais là on l'entend plus. Oh là là, ça y est, ça se plaint quand on n'entend plus les musiques. Est-ce que tu veux tenter le 2? Le 2, je l'ai pas. Il est payant le 2? Oui, mais il est pas très cher. Mais non, bah... Moi, je me le réserve pour une autre fois. Là. Ouais, bonne idée. Je pas tout comme ça. Là. Attends, oh. Les épisodes là, oh, il est fou lui. Mais t'as raison. Attends, il y a des mecs qui font des vidéos de 20 minutes, s'il te plaît, juste pour avoir 10 vidéos sur 2 heures. Ça va, nous on a mis combien de temps? On a mis. Ouais, bon, d'accord, peut-être une heure, mais. Ah non, on était pas très bon. Hein. Mais en vérité, pour les échecs, franchement, j'étais frustré parce que. Mais c'était dur de ouf. Mais c'était pas dur, c'est juste que des fois, vraiment, je pouvais pas sélectionner les chiquets noirs. Non, mais ce qui était dur, c'était surtout de pas pouvoir te contrôler et puis voir que tu galérais alors que moi je me dis, mais ça doit être trop facile en fait. Mais moi j'avais la solution sous les yeux, donc évidemment que pour moi c'était facile. Alors, For the King, il est à 5 euros sur Instant Game.
J'ai pas d'argent du tout. Et tu te rends compte que 5 euros, ça représente peut-être un huitième de ma fortune totale? Ah, c'est chaud. Oui, oui, j'ai pas d'argent. C'est le moment de faire des donations, hein, messieurs, dames. Ah, c'est le moment de vendre mon corps, je pense, là. Oh, putain. C'est pas ce que t'es en train de faire sur Twitch, je crois. Un peu, ouais. Alors, attends. 5 euros, c'est un paquet de pâtes. Bah ouais, mais... Bah ouais. Et, bah... Elle coûte cher, cette pâte, quand même, hein, Eva. Ah, je dirais pas l'autre truc que j'ai entendu parce que on sait jamais qui c'est qui va regarder le stream et là ah c'est bien, c'est une proposition qui m'intéresse, ça, je vais y aller avant lui comme ça. C'est mort, je dis rien là, je dirais en MP. D'accord. Parce que t'as regardé un peu ce que je t'avais dit qui était dispo sur je peux dire la ville non plus, sinon les fans vont venir par milliers. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas de quoi tu me parles. Par rapport à l'assaut. Ah oui, non, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Ah, il serait peut-être temps. Dis donc, ça va, là hein? Bah, il faut y aller, il faut pas te le faire pendant qu'il est chaud. Oui. Bah, t'as un contact à me donner pour l'assaut, là? Bah, Romain, oui, tu cherches Romain. Robin. Romain. Ok. Mais genre, il y a un numéro, il y a un nom de famille Bah, je chope le numéro de l'assaut sur Internet, c'est bon. Ah, toi, tu veux le numéro de la personne? Non, mais je connais pas la personne. Tu veux me pistonner? Pistonne-moi. Mais c'est pas du piston. Tu me titilles pas la prostate si c'est pas pour m'enculer, tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est... Là, j'ai juste... Non, là c'est plutôt... J'ai quelqu'un qui est venu qui m'a dit « Je connais les bons coups. » D'accord, ouais. Il faut y aller là-bas, ok? C'est okay. Le moment d'y aller. Voilà, moi, c'est ce que j'ai eu. On n'en est pas encore au titillage, là. D'accord, ok. Alors, je vais me renseigner, Ça marche. En plus, je t'ai envoyé le lien la dernière fois. Bon. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas regardé. Enfin, Là, j'ai le grosse lapus sous les yeux. Il y a un numéro dessus. Boris, Frédéric, Sabine, j'ai différent, il y a un cas de... Hop. Voilà, si tu veux, j'ai le numéro de base pour les appeler. Mais le numéro de l'assaut, après, je peux l'avoir. Enfin. Moi, c'est des numéros des gens, moi, que je veux. Des gens et des noms de famille. Ouais, ils m'ont dit d'aller dire... Des informations personnelles pour faire du chantage. Non, mais de toute façon, y a pas besoin d'être pistonné puisque la demande est énorme apparemment. Oui, bah de toute façon c'est de l'éducatif. Hein. Oui, enfin. Phase de l'animation et de l'éducatif. Alors là c'est dispo quoi, c'est ça que je veux dire. Et puis tu travailles pas à des horaires. J'ai un tour demain donc j'irai les voir à la limite. Ouais, bah voilà, parfait. Par contre, si j'arrive à Tours que j'ai un taf mais que j'ai pas d'appartement, il va falloir un endroit où je vais pouvoir dormir. Ouais, par hasard. Ça tombe bien, juste à côté, il y a un appart. Incroyable. Ok, bon bah tu vérifieras ça demain, sinon il y a un autre truc, mais je te l'enverrai en MP. Putain. Ça marche. Bon, attends, je vais dire au revoir à mon stream. Voilà, c'était sympa, coucou, à tchuss, à la prochaine. C'était un petit stream. Oui, c'était un petit stream et c'était sympa. Bah, c'est bien, il en faut. Voilà. La prochaine fois, ce sera une surprise. Allez, ciao, bisous, portez-vous bien. au revoir. Bonne game, bon stream, ciao, allez. Voilà, go.